la famille, on se retrouve aujourd'hui pour un haul nose. Nous sommes bien le samedi 28 avril, donc ce n'est pas une vidéo pré-filmée. Oui, pour certaines elles le savent, j'ai pu enfin sortir de mon lit au bout de 14 jours. Donc je ne suis pas tirée d'affaire, bien évidemment. Mais au moins j'ai pu prendre l'air un petit peu et faire mon tour à Noz. Et c'est tout un bonheur. Voilà, allez, on avance. Vous remarquerez que je n'ai pas de bague de cette main-là. Pourquoi ? Allez, on reste jusqu'au bout, on regarde et on voit la petite surprise que j'ai pu vous trouver. Allez, on y go ! Alors, la semaine dernière, mon mari m'a ramené cette petite ampoule qui est en verre et qui a un petit secret. Alors, vous voyez, elle s'allume comme ceci et elle se pose comme ça. C'est un joli élément décoratif, je trouve, mais elle a un petit secret. En théorie, vous voyez, là, il est 8h15 et elle devrait s'allumer pendant 90 jours à 8h15. Mais nous n'avons pas trouvé la petite astuce. Si certaines le savent, mettez-moi en commentaire. Elles sont actuellement dans vos noses. Et elles arrivent encore dans les noses, donc vous les trouverez, il y a différentes couleurs. Voilà, allez, les namastés, elles le savent toutes, on commence toujours par les achats du conjoint. Le petit rosé du samedi à 2,49€. La petite bière du samedi, une blonde à 2,49€ en 75 centilitres. Une petite bière à 75 centilitres. J'ai pris à mon fils des quenelles. Alors, c'est des quenelles de veau sauce financière à 1,19€ parce qu'il adore ça. J'ai pris une petite boîte de sardines au citron. Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Voilà. À 75 centimes. Au niveau alimentaire, j'ai pris ceci, j'arrêtais pas de les voir tourner. Donc, de la marque Léa Nature Jardin Bio, sans gluten, sans lactose, des mini-cœurs céréales au chocolat et apparemment avec des amandes, des cacahuètes, sans huile de palme. Et il y a 4 sachets fraîcheur à l'intérieur, donc 1,70€ avec le label AB. Voilà, vous m'avez donné envie, hein. Donc j'ai voulu tester. J'ai pas trouvé du tout les fameuses barres qu'on voit tourner au chocolat et à la fraise, dommage. Avec mon fils, on a eu envie d'essayer et tester cette petite boisson à 1,19€ qui est de l'eau de banane, oui, de l'eau de banane à 25 calories les 100 ml et riche en phosphore, voilà, 1 litre. On goûtera sûrement en vidéo. Normalement, on devrait y arriver. J'ai réussi à convaincre mes hommes de vouloir faire une vidéo avec moi. J'espère qu'ils tiendront parole. Alors, ensuite, au niveau ménager, j'ai pris ce vinaigre. Désolée, c'est très difficile de reprendre les vidéos quand on n'en a pas fait depuis longtemps. Donc, c'est de la marque Onyx 1. Nettoyant cabine de douche, détard, dégraisse et fébrier en 500 ml à 1,19€. Là, j'ai trouvé que c'était une affaire de la marque Mire, du produit vaisselle, donc au citron et au bicarbonate. Alors, c'était 3,09€ les 3 bouteilles de 750 ml, format familial. Donc, ce qui revient pour une bouteille à 1,09€, ce qui est particulièrement intéressant. Pardon, je vais passer devant la caméra. Mon mari, la semaine dernière, avait pris à 99 centimes un produit pour se laver les mains. Ici, on est tout le temps en train de se laver les mains. À 3, on n'arrête pas. Pour peau sensible. Et bien évidemment, j'ai trouvé le moyen de racheter un autre. Bah oui, un petit peu plus girly. Donc, alors, celui-ci, c'est de la marque Pampered et c'est Scramberry Pomegranate, donc fraise et grenadine, enfin grenade.
Voilà, et il était à 1,65€. Ensuite, alors, au niveau, toujours un petit peu, on va dire, déco, j'ai pris ce petit carnet. Alors, vous voyez, il y a un aimant au dos pour coller sur le frigo et j'ai trouvé le dessin hyper sympa. Et à l'intérieur, vous avez des feuilles à arracher pour noter les courses. J'ai trouvé ça top. J'ai enlevé l'emballage, il devait être à 2,19€, il me semble. Ensuite, je me suis tellement ennuyée dans mon lit que j'ai acheté des stylos gel, voilà, pour faire des mandalas. J'avais envie de tester 1,29€, à voir s'ils fonctionnent. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Sense en désodorisant voiture, tout simplement. Et on passe à la beauté. Donc, à la beauté, je vous ai pris plusieurs petites choses pour celles qui n'auront pas de noces et pour les futurs concours. On en parlera, hein, on mettra plusieurs catégories pour faire plaisir au maximum de personnes. Alors, j'ai pris ce blush de la marque Love This. Il est magnifique. En fait, il est rose poudré. Et il est irisé, mais il est très très beau. Il s'appelle Bonbon. Alors, je ne pense pas que vous voyez les irisés avec le plastique. Ça m'étonnerait. Ensuite, je vous ai pris un contour des yeux de la marque Skincare. Vous savez que l'on trouve sur Beauté Privée et à des prix bien plus importants. Donc, à 1,99€. Ensuite, je vous ai pris de la marque SoBio, donc qui est un produit bio, à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger, un gel douche, escapade à Marrakech, 30 ml le gel douche quoi. Bon, pour tester, ce sera pas mal. Alors, à 75 centimes. Et je vous ai pris à 99 centimes. Ce durcisseur à ongles parce que je l'avais testé et qu'il est pas mal et que vous me faites toujours des compliments sur mes ongles. Je vais d'ailleurs bientôt vous donner, depuis le temps que je le dis, ma routine pour les ongles. Et donc je vous ai pris ce durcisseur parce que je l'avais testé et qu'il est très bien. Je vous ai pris également un rouge à lèvres de la marque BC. Il y en avait un d'ouvert, là il est operculé, je laisse fermer. C'est un joli nude légèrement rosé. Il est très joli, je l'ai trouvé très sympa. Donc je vous l'ai pris également. Et je me suis pris une crème pour les mains. J'ai pas trouvé la P2, il n'y en avait plus rien de P2. De la marque Evoluderm, délice de karité pour peau sèche. Alors voyons voir, puisque c'est pour moi. Elle sent super bon, on va la tester tout de suite parce que moi j'aime pas les crèmes pour les mains collantes. Donc on va voir. Eh bien elle est déjà en train de pénétrer. Ça y est, elle a pénétré. Et franchement, eh bien elle ne colle pas. Donc déjà c'est un top après avoir au niveau de l'hydratation. Voilà, donc, bien évidemment, vous aviez remarqué que je n'avais pas de bague. Il y avait une raison à cela. Je vous ai réservé une petite surprise. Donc, je suis en train de chercher les deux que j'ai pris pour moi. Je suis désolée, je me lève, je disparais. Voilà comment on fait perdurer une vidéo. Alors, et oui, en passant à la caisse, alors mon mari n'a pas dû les voir la semaine dernière ou bien elles sont arrivées après, juste devant la caisse, je vois une dame farfouiller dans une boîte et là, je réalise que c'était les bijoux Ebled, la fameuse marque suédoise dont les bijoux sont faits en titane, vous le savez, et qui ne subissent aucune oxydation. Donc, je me suis trouvé ce modèle, je l'ai adoré, franchement, il n'y avait quasiment plus rien, plus que des bagues pour hommes. Donc, je vous la mets ici, je vous ferai un close-up.
Donc, c'est une 17.5. Voilà, elle est sur monture argentée. Et moi, franchement, je la trouve très jolie et très raffinée. Voilà. Et il y en avait 4. Donc, je vous en ai pris 3. Eh oui. Alors, mon mari, lui, s'est pris celle-ci. Il m'a grandement surpris. Il m'a dit, tiens, je vais m'en prendre une. Alors, je vous ferai des close-up parce que je ne pense pas que la vidéo passe en HD étant donné que mon téléphone est blindé de photos pour le panorama de photos qui va suivre sur les nouveautés. Voilà. Et donc, oui, j'ai pris 3 bagues pour vous. Donc, voilà, je vous les mets au doigt. Donc, la taille, ce sont des 17.5. Alors, à savoir que... moi, j'ai les doigts assez fins, mais par contre, j'ai une ossature ici de Normand. Voilà, donc elles vont très très bien pour moi à ce doigt-là. Voilà, elles passent facilement, elles tournent un peu et elle est un peu grande. Donc, regardez par rapport à mes doigts. Et je vois sur mon autre main, elle passe très très bien ici. Voilà. Alors moi, chez moi, au niveau des bagues, c'est l'ossature-là qui est compliquée à passer. Donc, voilà. Donc, ce sont, je répète, la taille 17.5. Essayez d'évaluer par rapport à mes mains. Et pour celles qui sont intéressées, puisque je sais que mes amies youtubeuses se sont aidées et ont trouvé les modèles qu'elles souhaitaient. Donc, si ces modèles vous intéressent en 17.5, je vous demande de mettre hashtag bague dans les commentaires avec votre commentaire. J'en profite d'ailleurs pour remercier les nouvelles abonnées. Je suis ravie de vous accueillir dans la famille Namasté, qui est une famille très simple. Voilà, on se prend pas la tête, c'est sans chichi. Je vous remercie pour vos abonnements, pour... votre fidélité, c'est très encourageant parce que je crois que j'étais en train de me décourager en fait toute seule. Et je vous remercie pour vos abonnements. Franchement, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et on se dit qu'on fait les choses au moins pour des personnes qui nous regardent. Voilà, donc c'est motivant. Voilà, donc hashtag bague dans les commentaires avec votre commentaire. Et je ferai un tirage au sort pour les 3 bagues. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Voilà, hein, ça sera le plus simple et naturellement possible. Voilà, la famille Namasté. Alors, simplement, je voulais vous dire que je vais vous retrouver, je l'espère, avec 2 ouvertures de colis abonnés que je tiens à remercier. Je ne cite pas les noms pour l'instant. Et surtout pour un bon plan make-up. Pour celles qui sont intéressées par le make-up, sachez que j'ai fait une commande sur un site français avec des petits prix. Donc, ce sont des produits aux normes européennes. Voilà, et j'y ai fait de très très belles découvertes. Donc, on se retrouve pour ce déballage colis dans une prochaine vidéo. Je vous dis tchuss. Et namasté et à bientôt la famille.